J'ai subi beaucoup de choses. Hein. J'ai subi beaucoup de souffrances. Mais avec ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler, mais ça reste. Je prends Dieu en témoin. Je suis tellement content de regagner l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? En Afrique de l'Ouest, il y a la cohésion. La cohésion entre les jeunes qui, sans identification, sans tenir compte des nationalités, qu'ils soient ivoiriens, guinéens, sénégalais, une fois qu'ils rentrent en Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. Depuis mon départ de l'Algérie jusqu'à là, mes parents n'ont aucune nouvelle. Bon, ils sont toujours inquiets. Ils ont toujours inquiété. Ils ne savent pas où est Souleymane. Souleymane est vivant ou pas. Bon, quand même, je me demande si la maman se porte bien ou pas. De nos jours. Bon, quand même, en Guinée, j'espère bien de regagner les amis, les parents dans la bonne condition. Mais vite. Mais vite. J'avais des camarades de classe, des camarades de voyage qui ont perdu leurs âmes. Qui ont perdu, qui ont rendu larmes. Par suite de quoi? Ils étaient affamés, assoiffés. À l'Algérie, là-bas, aucun noir ne te dira qu'il a une maison. On passe la nuit dans les sentiers. Là où tu passes la nuit, tu travailles, tu passes la nuit là-bas. Le lendemain, les savent bien, vous allez travailler encore. Le lendemain, tu te couches là-bas, sans fenêtre, ni porte. Tu peux rester là-bas, on ne sait jamais. Si un agresseur vient, t'arrive, tu vas perdre la vie.